Nathalie Erschdorfer, qui est une commissaire indépendante, qui nous a proposé cette idée au musée Galliera. Elle a eu accès à toutes les archives de Condé Nast à New York, ce qui était rarissime. C'était la première fois que ces archives s'ouvraient de manière aussi grande. Et donc, ça nous offrait en fait un panorama de la photographie de mode depuis le début du XXe siècle. Et moi, j'ai pensé que c'était une occasion unique de raconter une histoire de la photographie de mode au musée Galliera. La voir parce qu'on voit pour la première fois autant de photographes de mode et de grands photographes de mode réunis. Et puis ce sont les vintage, donc les tirages originaux qui font partie des archives et qui ont servi à la publication dans les magazines. C'est la première fois qu'ils sortent des archives de Condé Nast. Et donc c'est vraiment, on va retrouver des images mythiques qu'on connaît déjà, mais on va aussi découvrir le travail un peu moins connu de certains photographes. Je pense qu'on ressort avec une histoire de la photographie de mode dans la tête, avec des images immédiatement accessibles. C'est tellement fort que je pense que ça peut plaire à tout le monde.